Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, comment différencier les mâles et les femelles gourami. Donc je vais vous montrer ici c'est la femelle. Alors pourquoi c'est la femelle? Alors regardez sa nageoire dorsale, vous voyez elle est pointue un petit peu, on va dire elle est un petit peu pointue et elle est un peu plus longue que le mâle, enfin un petit peu plus grande. Alors, le mâle est en bas derrière, je sais pas trop où il est, mais enfin voilà. Donc là, la femelle est ici, voilà. Et le mâle, lui, a une nageoire plus ronde sur le dos, une nageoire dorsale plus ronde, et il est plus petit que la femelle, enfin que le mâle. Oui, c'est ça, que la femelle. Donc chez eux, les gouramis n'ont pas de gonopodes, enfin visibles en tout cas. C'est l'une des rares espèces qui n'ont pas de gonopodes. Enfin en tout cas pas trop visibles. Voilà. C'est pour différencier les gouramis, les mâles et les femelles. Donc petite question aussi hors sujet, qui n'est pas sur les gouramis. J'ai une femelle guppy qui est ici là, et je sais pas si elle est pleine ou pas, parce qu'il y a la tache noire qui est sous l'abdomen, enfin sous le ventre quoi, mais elle a un ventre assez petit, donc je sais pas si elle est pleine ou pas. N'hésitez pas à me demander un commentaire, à me dire si vous pensez qu'elle est pleine ou pas. Et j'ai celle-ci aussi. Je sais pas trop, alors je suis moins sûre, mais voilà. Je pense qu'elle est. Je sais pas du tout. Voilà. Et aussi, petite information, j'ai un blog sur Google. Le lien sera dans la description. Si vous voulez, parce que. Voilà, les gouramis, ça se reproduit très très vite, enfin les guppies. Et j'en mettrai peut-être en vente, donc voire même les mollies. Donc si vous voulez, j'ai un blog Google, le lien sera en description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et moi, je vous dis bye.